Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va faire quelques courses ensemble. Je vais partager le live. Je partage sur les pages. J'arrive. R3, c'est quoi? Non, c'est 6-3 As-4. Je croyais que c'était 5-3 As-4. La fameuse combinaison 5-3 As-4. Je croyais. Attends, je fais des partages. On regarde si le stream a commencé, puis je fais les partages. Partagez de votre côté aussi les amis, ça serait sympa. Je vais partager sur toutes mes pages, sur mes groupes, et partager sur des groupes de pronostics les amis si vous voulez. Ça serait sympa. Salut à toi. Attends. Je vais partager sur quelques groupes, hein, je suis bien obligé. On verra si ça intéresse. On va déchiffrer les courses, les amis, ensemble. On déchiffre quelques courses. On va mettre PMU là. Je vais enlever ça, je vais mettre PMU. Pour le 5 pour l'Itamax. Max Zen en tête pour entrer. Je surveille le stream si ça se passe bien. Iloa qui vient en pleine piste avec également les adultes qui est là côté corne. Blumber qui tente de venir maintenant complètement à l'extérieur. Ainsi que Yakamet Koukebak et The Natural. Max Zen qui rentre dans le rang et maintenant Blumber qui accélère sèchement maintenant en pleine piste. Avec en deuxième position Yakamet Koukebak et Paulitamax qui est côté corde. Blumber qui va s'imposer ici. La casaque de Thierry Maréchal. La montre de Sylvain Ruiz. On a ensuite le numéro 5 Paulitamax et côté corde. Et également à l'extérieur le 2 Yakamet Koukebak. Ouais, des derniers au premier rang, Noble Humber, le numéro 6 qui s'impose. Ceci à Sylvain Ruiz pour l'entraînement de Christophe Esculaire, Kazakh de Thierry. Ça fait longtemps que j'ai fait un live. Paulita Max, le numéro 5. Il ne va pas y avoir grand monde, certainement. Il ne va pas y avoir grand monde. Il y a Kamet Koubak qui était le favori. Marvin Grandin est le troisième. Ouais, et la quatrième place pour le numéro 9, Les Aldudes avec Guillaume Millet. 6h20 en finale, il y avait de la confiance de la part de Christophe Esculière pour faire l'arrivée. Il avait dit à votre micro qu'elle était très belle en ce moment, Noble Humber. Et c'est vrai qu'elle s'est retrouvée en dernière position pour aborder à une droite. Je vais écouter le retour quand même. Aus Berlin reisen die Brüder Björn und Dennis Spangenberg ab. Jeder zeichnet hier für sich. Dann CG aus Stolle.
mit einem 10. Platz hat Emma selbst gesteuert, aber wir erinnern uns noch an das famose Jahr auch 2021, wo der Wallach doch 10 Rennen gewinnen konnte. Wenn er an diese Form anknüpft, dann kann er auch dieses Rennen ganz vorne wählen. Bon, vous me dites hein, si le son fonctionne mal, si on n'entend pas bien les courses ou le truc comme ça. Là, j'ai mis les courses. On devrait écouter les courses aussi. Alors, on est parti, les amis. Salut à tous. Salut tout le monde. On va déchiffrer les courses. Ouais, les courses à 10 partants, hein, 8, 3, 7, 9, ou alors 10, 5, 2 As. À 10 partants pour les courses, 10 partants seulement. Mes combinaisons à 6, 2, 4, 5, 4, 3, 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15 et 10, 2, 13, 15. Ces 5 combinaisons là, mais ils sont bien, mais il faut savoir. Quelle formule faut jouer avec quoi. Du retard et du coup, y a un petit peu plus d'eau. Là, il y a 6 partants, encore 2, 3, As, 4, encore on se tape des suites comme ça, 1, 2, 3, 4, là, R2, C1. Exactement. C'est As, 4, 2, 5, là, R3, C1. 4, 2, As, 5, encore aussi, R3, C2, R3, C1, R3, C2, c'est pareil. Le même multi. Quand il y a. Un schéma d'arrivée, hein, c'est pour la journée. Hein. La journée, on peut compter dessus. Hein. Le lendemain, ça va changer, ça va se décaler un peu, mais c'est toujours un peu pareil. Et le numéro 4, Heavy Enemy. Heavy Enemy. Bon, alors, R3, C4, on va voir si ce qu'on fait, si on la joue ou pas, celle-là. On va essayer de déchiffrer. Si c'est trop chiant à déchiffrer, on ne va pas la jouer. À 13h30, 13 plus 30, ça fait 43. Classent. Non. Ces deux-là se retrouvent donc. 40, avec le 4 et le 3, il faut qu'on recommence 13h30 et on a 9 partants. Il y a 9 et 4, 13 normalement. On va regarder la valeur du 9 et du 4. Le 9 est cher, hein, la vache. Le 9 est cher, c'est quoi? C'est de l'atelier, c'est 2200 mètres, c'est Hambourg. C'est la dernière Hambourg là? Ouais, c'est la dernière Hambourg pour l'application PMU. C'est qu'il a le numéro 2. Bon, je vais mettre le live ici, j'espère que ça ne va pas mettre la musique. Non, c'est bon. Bon, je vais partir dans mes calculs. J'ai plusieurs thématiques de calcul. Hein. J'ai la thématique de calcul par rapport à l'heure, la thématique de calcul par rapport au nombre de partants, la thématique de calcul par rapport à retrouver 13. Les 4 premiers qui doivent faire l'arrivée doivent me donner 13, normalement, comme si c'est 7-13, tu vois. Ou alors, thématique de calcul, à retrouver le nombre de partants dans les 5 qui doivent tomber l'arrivée. On doit retrouver 3 fois le nombre de partants, ici 9 partants pour R3, C4. Donc on va essayer de faire plusieurs thématiques de calcul, on va voir quel numéro ressort assez souvent. S'il est fiable et pourquoi pas tirer une combinaison, une conclusion. Il est capable surtout de faire la faute après 100 mètres. Là, vite fait, ce que j'aime bien, c'est les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, R3, C4. R3, C4, les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. En simple placé, devrait être sympa, mais bon, comment on va faire? Faire une petite bêtise. Je vais prendre mon tableau, mon feutre. Soit de perdre beaucoup de terrain et ça va pas pardonner. De faire les calculs. Adversaire qu'il affronte aujourd'hui. Hein. Donc il y a 1,60€. Tu quand même. J'aimerais bien voir les chevaux là à Hambourg. On fait pas voir les chevaux à Hambourg là. Il y a les corbeaux au milieu de la piste, mais on n'a pas les chevaux là. Néanmoins, c'est baladé à chacune. L'arrivée d'avant, c'est 6, 5, 2, 9. R2, C5 là à Borély. Et là, on va stopper, on va courir à Hambourg, R3, C4. Donc, ils sortent pas, on va pas faire les mêmes, 5, 6, 5, 2, 9, non. Bon, le 9 et le 5 sont chers. On peut peut-être prendre 6, 2, 6, 2, 4. À Hambourg, qu'est-ce qui tombe depuis tout à l'heure, Hambourg? 6, 3, As, 4, 2. 4, 2, As, 5, 7. Et As, 4, 2, 5, 8. Qui est là avec un jeune homme très adroit, Marciano Hober. Hollandais. 6, 3, je crois qu'il a gagné sa première course. Attends, 1,4. Il a quel âge là?
Donc si je compte pas l'as, je tomberai le 2. Donc on a soit 1, 2 ou 3. Et le 4, 1, 2, 3, 4, à partir du 9, 1,4 du favori là. Je compte 4 à partir du 9, 9, 8, 7, 6. Donc je tombe sur le 6 et je tombe sur soit 1, 2, 3 et le 6. J'ai 1, 2, 3, 8, 4 le favori et j'ai le 6 qui m'intéresse. On est à 1,5 maintenant, donc là on tombe sur le 5. Le 5 il est un peu riche, mais c'est quoi là? C'est des vieux chevaux, c'est quoi? Est-ce qu'on peut se taper une grosse cote, genre le 5, un truc comme ça, en quatrième position peut-être? C'est quoi, c'est le type, c'est de l'autostart? L'autostart, on aime bien faire des suites de numéros, même avec un petit décalage, c'est des 3 à 14 ans. Alors effectivement, si c'est des 3 à 14 ans, il peut tomber des une grosse cote, quoi. Attends, c'est des 3 à 14 ans, il y a des 5 ans, 8 ans, 10 ans. 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. On a ces deux chevaux-là qui se détachent. Ensuite, on a quoi? Vous avez vu, il y a un chrono dans la main, hein, Marciano Weber. Donc, le 5 ans, il y a le 8. Il va peut-être prendre le commandement. Le 5, c'est un 5 ans. On a peut-être celui qui va ramasser tout le monde. Le 4 en favori, je rajoute une dizaine, donc ça fait 14. Il faudrait qu'on retrouve, en plus de retrouver plusieurs thématiques là, par rapport à l'heure et tout ça que je te parlais tout à l'heure. Et encore une thématique de calcul à faire, c'est rajouter une dizaine au favori. Là, on a le 4, le favori R3C4. Donc ça nous fait 14. Et donc il faut nous retrouver 13, 14 et 15. Dans ce qu'on peut avoir. Là, on est en fin d'été, là. Ça serait bien qu'on... Il avait été un petit peu décevant en étant en quatrième. Le PC qui s'éteint, là, putain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le 3 juillet. Le 3 juillet à Berlin, où il est juste derrière... Bordel de merde. Eck. Donc ça, c'est quand même une belle carte de visite. Et surtout, au mois de juin... Il avait quand même battu des chevaux qui ont bataillé avec Covistream. Alors vous, j'espère qu'il ne va pas s'éteindre tout le temps comme ça, là, le PC, parce que ça va me saouler. C'est un autre élève de la famille Nimzik qui a 13 000 euros de gain, donc c'est-à-dire qui est un petit peu meilleur. 13h30, 6 fois 5, 30. Jeu égal avec Heavy Enemy. Et Rekelil a déjà battu ce concurrent. Donc quand on sait que Covistream et Heavy Enemy sont un petit peu du même bois. Là, c'est intéressant, celui-là, c'est une bonne chose. Ou 10 x 3, 10 x 3, ça fait 30 aussi. Si c'est 4, 10 x 3. 6, 4, 3. Qui vient de fêter ses 3000 victoires. Comment on va faire ça? Avec 6, 4, 3, on a 13, 14, 15. Avec 6, 4, 3. Si c'est 4, 10 et 3, déjà on a le 13. Si c'est 4, 10 et 3, ça fait 13. Si c'est 3, 9 et 4, ça fait 13 aussi. 6, 4, 3, 2. Alors 6, 4, 3, 2. 6 et 4, 10. Thomas Pancho est très respecté. 2 et 3, 5. Donc on a 15, on a 14. Ça me fait chier de mettre le 4 là, en favori. Là. Le 4 en favori, j'y crois pas. J'y crois moyen parce que c'est des vieux chevaux. 6, 5, 2, 9, 4, R2C5. Bah, des fois ça prend du temps hein, de déchiffrer, les gars. 6, 5, 2, 9, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'aurais le 5, mais le 5 est riche, merde. Mais oui, mais il est riche, le 5. Mais si on prend les plus petites cotes, on peut prendre le 5. Hein. Donc, attention, Harry Kelly, c'est voilà, le petit outsider. Là, c'est les pistes comme ça, là, en sable. Là. C'est bien de faire des suites de numéros, genre, je sais pas quoi, moi. Des suites de numéros, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais. Qui s'est baladé à Dreisenfurt. Qu'est-ce qu'on va faire, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai bien le 4. Hein. J'ai bien le 4. Si ça se trouve, le 4, il va gagner quand même. Hein. Ah, le 5, t'as vu, il a baissé. Il est à 18 maintenant. Il était à 47 il y a 2 minutes. Il est à 18, le 5. Sur l'herbe. Il avait gagné également sur l'herbe à Rachetette cet été. Un cheval qui a bien travaillé cet été après sa pause. R2C5, le 5e, c'est le 4. Moi, je suis favorable pour reprendre le 4. Hein. Après, il y a le 9, le 4e d'R2C5, la course d'avant. On fait 4 et 5, 9. On va pas prendre le 9. Il est à 64, il bouge pas là. Sinon, comment on fait 9, les gars?
C'est 4-5 ou 6-2-As 6-3 Vous voyez bien le triangle. Merde. Ouais. 6-As, 4-6-As, 4-6-As ou 4-5 4-6-As ou 4-5 Ici, le 3, Youra, Ronald de Beer. On a peut-être la combinaison quoi. On a peut-être la combinaison à 6-2-4 ou 5-4-3-As, mais je ne sais pas laquelle. À 6-2-4 ou 5-4-3-As. En couplet gagnant, peut-être en trio, mais je ne sais pas laquelle il faut mettre. Le plus confortable, c'est de jouer le 5 à 13 euros. 13 euros, là, il passe à 12 euros, mais les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, le 5 est là sans simple placer. C'est le plus satisfaisant, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 5 est là sans simple placer. Le 4, pourquoi pas gagnant. Le 5 est là sans simple placer. R3, C4. Il y a deux types de paris, là. J'ai pas la formule, j'ai pas le trio, tout ça. Peut-être tenter 5-4-3 ou la 6-2-4 en trio, mais je sais même pas si ça va payer parce que s'il tombe 6-2-A, c'est favori. 6-2-4, c'est favori. La formule 5-4-3 pourrait payer, mais j'y crois moyen. Peut-être en couplet gagnant, 5-4-3 ou la 6-2-4, peut-être en trio, je sais pas. Ou sinon, le plus satisfaisant, c'est l'As et le 5, en simple placé, puis le 4, voire gagnant. Allez, pour celui-là, R3, C4. R3, C4, 2200 mètres hein, en bout. Hein. Ça va partir. Du coup, après, elle était un petit peu fatiguée, elle a eu une pause, et depuis son retour, c'est pas GG. Après, la dernière course, elle était quand même bien plus relevée. Van Segué qui visera une petite place. Voilà, bah, le 2, le 4, on entend tout là. Après, vous choisissez votre préféré. Bah, vous m'avez un petit peu chauffé sur le 6, hein, mine de rien. Oui, bah, je vous ai chauffé. Je vais écouter le retour, on voit si on entend. Je sens qu'il va y avoir un match entre vous, les deux. Vous tentez la passe de 4. Ouais. Mais... Qu'est-ce qu'on joue pour la passe de 4 bah, pour, j'ai pas, un 4 vendu, à la suite de Cédric Quetta. Rekeli, donc je vais pas maintenant aller faire dire. Non, non, vous prenez qui vous voulez. Non, mais Rekeli, voilà, parce que je merci pars sur le soutien sur les pages, les amis, merci à vous. Et Klasunt. Ils vont trop donner. Ouais. Et je me doute que Thomas Pancho, il a sa petite idée derrière la tête. Pour l'avoir vu plusieurs fois à l'œuvre. Très malin. Hein. Allez, départ imminent pour cette quatrième course. Sur les pages et les groupes, merci les amis. Attends, je vais partager sur Facebook, sur le Messenger. On est parti très vite avec le numéro 4 et on est au galop avec l'As Issa Boko. Et c'est le numéro 7, Vampire Hunter, qui est parti le plus vite et qui va s'installer au commandement. Avec en deuxième position le 3, Youra, EV Enemy, le numéro 4 et pour l'instant le néo 23e. Mais Marciano Huber a choisi d'attendre et d'être en quatrième position devant encore Spylord, Rekeli, le numéro 6 en bleu, Thomas Pancho. Ça fait longtemps que j'ai fait un live, la vache. Devant encore le 8, Dan Segué. J'ai perdu 5, complètement le... On va sortir du tournant de la cantine avec Vampire envie de faire des lives. J'avais complètement perdu l'envie de faire des lives. Du coup, Heavy Enemy qui va prendre la tête. Et que va faire maintenant Michael Nimjic parce que Class Hunt vient en troisième position, le néo-vent, un petit peu plus loin, il y a Youra qui est côté corde. On a également Rekeli, le numéro 6, qui est pour l'instant cinquième, devant encore Spylord, qui attend un petit peu plus loin également Dan Segué et le 5, Check That Heaven. Deuxième tournant, Heavy Enemy qui a la tête et la corde. Ah, je vais partager sur les groupes via le PC. Hunter, un petit peu plus loin, Youra. Peut-être se retrouver et, un peu plus. Pour l'instant, quatrième, Thomas Pancho, il voulait être à cette place-là. Il est à cette place-là. Il est cinquième dans le dos d'un des deux concurrents en vue, avec plus loin Spylord et le numéro 8, Dan Segué. Oh, c'est ma première, passage les gars. Dans les tranquille. Tribunes, Heavy Enemy qui contrôle avec donc Class Hunt, les deux favoris aux deux premières places. En troisième position, il y a le numéro 7, Vampire Hunter, un petit peu plus loin, Rekeli, et là, quatrième, devant encore le 3, Youra. Dan Segué patiente toujours avec le 9, Spylord, et le 5, Check That Heaven. Dernier tour de piste, hein, pour l'instant, Marciano Huber, il ne fait pas le fort, il vient gentiment à demi-longueur d'Heavy Enemy. Heavy Enemy qui a toujours l'avantage, devant Class Hunt, le numéro 2, en troisième position, il y a Vampire Hunter, un petit peu plus loin, Rekeli, numéro 6. Je vais partager sur pas mal de groupes.
Eric Hilly, il est pour l'instant en quatrième position devant encore. Si ça vous intéresse, les gars, j'essaie de déchiffrer les courses là, pendant une ou deux heures. J'essaie de déchiffrer les courses. Deuxième position, Vampire Hunter, Marciano Huber et Klassen qui attend l'attaque maintenant de Dan Seguet, le numéro 8. Vous déchiffrez ce que je raconte et moi je déchiffre les courses. Alors, comme ça, on va pas pouvoir se comprendre. Il y a maintenant Dan Seguet qui vient très fort avec le numéro 2, Klassen un petit peu plus loin. Vampire Hunter, Rekili est incapable d'accélérer. Un tournant final avec Ivy Enemy qui est le meilleur. Dan Seguet qui va tenter l'inquiéter. Alors, c'est plus compliqué pour Klassen qui a trotté le nez au vent. Derrière le 7, Vampire Hunter. Rekili 5ème, droite pour Evie Enemy hein, qui s'est débarrassé de Klinsen, mais attention à Dan Seguet maintenant et Bjorn Spangenberg. Le 4, le 8, qui le 8 et le 2, 4, 8, 2 pour le moment. Dan Seguet qui est nettement 2ème devant les autres, Klinsen est 3ème devant encore Rekili. Et le là, c'est les oubliettes. Qui va se balader, la 2ème place pour Dan Seguet, la 3ème. Ouais, je voulais les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Du numéro 7, Vampire Hunter. Il y avait quoi, 4, 8, 10 contre 1 et 19 contre 1, il y avait le l'AC de 5, il me semble. Aujourd'hui pour Michael Nimchik, lui l'homme de Mönchengladbach. Ouais, finalement, il faut que je me mette dans le bain, les gars. Je voulais le 4 gagnant et R3-C4, là, 4 gagnant et là, sous le 5, quand ça peut passer. Sinon, une formule, j'avais quoi comme formule? 5-4-3 ou 6-2-4. Bah non, on se fait bouffer par le 8. Il n'y a pas eu match. Mais au final, il y a quand même un 80 pour le gagnant. 4-8-2-7, mais on n'a rien. Le 8 et deuxième, j'ai visé trop gros à 6 de 4 en trio. Place, non, c'était couplé placé. Qui n'a pas trop lutté. Et derrière, Vampire Hunter au courage se classe 4ème. Bon, cette épreuve. Voilà, 4, 8, le 2 4 et gagnant, mais il n'est pas riche. Hein. Non, c'était pas la course la plus satisfaisante à jouer, celle derrière. 3 c'est 4. Hein. Moi, j'essaie de déchiffrer un peu toutes les courses, mais toutes ne sont pas bonnes à jouer. Hein. Moi, ça me fait marrer d'essayer de déchiffrer. Hein. Il y a des courses qui rapportent de bons lots. Hein. Il y a des courses qui rapportent de bons lots, mais on ne peut pas savoir. Hein. Bon, allez, j'arrête mes partages. Bonjour au groupe, bonjour à tout le monde. Je déchiffre les courses là, pendant deux heures. On va voir comment ça se passe. Bah allez, le 8 il 4-8-2-7 là, R3-C4, 4-8-2-7. À 13h30 ça partait, R3-C4, hein. 13h30 ça partait. On a 8 et 7, 15, moins 2, 13, 13h30. On a 8 et 2, 10, 8 et 2, 10, 7 moins 4 égale 3, 8 et 2, 10, 10 fois 3 égale 30, 13h30 on a. Nous sommes dans l'emprentation, Manuela, avec le numéro 3 à l'image, à Gypsy Jet Set, qui est donc le favori à 2,30€, entraîné par Christophe. 4 et 2, 6 et 7, ça fait 13, mais de 13h30. Il y a de l'opposition 4, 8, 2, 7, là, R3-C4. On a 8 et 2, 10, 7 moins 4 égale 3, 10 fois 3, 30, 13h30, avec les 4 premiers, R3-C4. Mais tu sais que le 8, tu peux se le retrouver aussi en genre on a 4 x 2 déjà là, 4 x 2, 8. Ou alors le 8, tu peux se le retrouver en 5 et 3, les trucs comme ça. Après, il faut bien choisir tes choix, mais normalement, tu dois arriver à retrouver l'heure. Tu dois aussi retrouver 13 aussi deux fois dans ce que les 4 premiers là. Tu dois retrouver 13 deux fois. Tu vois, genre on a quoi pour retrouver 13 ici? Ben on a 7.4, ouais, c'est pareil. On égale 3, 8 et 2, 10, ça fait 13. Et on doit retrouver aussi une fois 13. 8 fois 2, 16. 7.4 égale 3. 16 moins 3 égale 13 aussi. Bon, on a 2 fois 13. On a 13h30. R3-C4 à Hambourg. On doit aussi retrouver le nombre de partants, 9. Tu vois, on a 4 fois 2, 8. Et 8 moins 7 égale 1. 4 fois 2, 8. 8 et 1, 9. On a le nombre de partants aussi une fois. On retrouve 13, on retrouve 9. C'est étonnant, hein, avec les mêmes numéros. Là. Tu peux les calculer, 4 numéros, dans n'importe quel ordre que tu veux. Hein. Donc on doit retrouver encore une fois 9 normalement.
partie. Cette fois 2-14, 4-1-5, ou alors comment on fait 8-7-15, 4-2-6, 15-6 égale 9. On retrouve encore 9 deux fois. Normalement, on doit retrouver 9 trois fois avec le 5ème. R3-C4. On retrouve l'heure, on retrouve 9. On retrouve 13. Qu'est-ce qu'on doit retrouver aussi? On doit retrouver aussi, je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure, 2200 mètres, là, 22, on doit retrouver aussi 22. 2200 mètres. Beaucoup de choses pour lui. 3 et 4, un incontournable au papier. 2200 mètres, ça fait. D'Olivier pour parler du favori. 8-7-15. 8 × 2, 16. Moins 7. 7 × 4 = 3. 8 × 2, 16. C'est bon, je suis ouvert. J'ai 7 × 2, 14. 14 et 8, ça fait 22. 7 × 2, 14. 14 et 8, ça fait 22. On retrouve la distance, on retrouve 9 3 fois. On retrouve 13h30, on retrouve 13. Ouais, faut choisir les bons numéros parce que tu vois qu'on peut les avoir avec plusieurs combinaisons, tout ça. Allez, on part faire nos calculs pour R2-C6 à 13h45. Pour moi, l'heure, tu peux la retrouver comme ça, 13h30, là, 13h45, ici, R2-C6. Soit tu fais 13 et 45, ça fait 58. Tu regardes 58, le 5 et le 8. Avec le 5 et le 8, tu dois aussi retrouver 13 et 45. Le 5 et le 8. Bon, là, il n'y a que 6 partants, R2-C6, putain. Si vous pouvez nous présenter chez Yann Bunce, en fait, on a fait connaissance avec elle la semaine dernière, puisqu'elle a gagné avec Sayan. 2600 mètres en plat. 2600 mètres en plat. 5 x 4, 20 et 6. Ça fait 26. Mais c'est le 3 favori. On fait 3, 4, 5, 6, on fait quoi? Qui fait vraiment pas de bruit, qui est très poli et qui aime son métier. Elle préfère alors on fait là les pistes en herbe, les trucs comme ça, là c'est ça ici à Borély, là. Donc, pourquoi pas faire les deux, c'est des pistes en herbe, les trucs comme ça, non? Pistes en herbe, ouais. On aime bien faire des suites de numéros. Qu'est-ce qu'on a depuis tout à l'heure à Borély, là? 5, 2, 6, As 4. Tu vois, As 2, 4, 5, 6, on saute un numéro. R2-C1 à Borély, on a 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec le 6, 5e. R2-C3 à Borély, on a 6, As 2, 7, 4. On a toujours As 2. As 2, 4, 6, 7. R2-C4 à Borély, on a quoi la suite? C'est où la suite? 5, 6, 7, 8. Souvent, on n'a pas de 6, mais on fait 5, 7, 8. 3, 7, 8, 5. R2-C4, il y avait 11 partants. R2-C5, il y a 10 partants. La suite, c'était quoi? 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. On saute le 3, tu vois. Bon, comment on va faire là? Ah, bah ouais. J'ai trouvé un petit peu le rythme de la journée, ce que c'était le rythme de la journée. Le rythme de la journée, on va choper le 3, le 4 ou le 5 en simple placé. 13h45, ça serait marrant de faire As-3, 4, 5, hein, bêtement. Ça serait marrant. As-3, 4, 5 en trio, peut-être. Ouais, je le sens marrant celui-là. As-3, 4, 5 en trio. Il y a une longue distance, là, s'il peut tomber. Hein. As-3, 4, 5 en trio, on fait quoi? On prend le 5 à la place du 2, on fait 1, 2, 3, 4 ou As-3, 4, 5? Ou 2, 3, 4, 5? Une cote de favori, la cote du favori est à 2,5, R2-C6. As-2, 3, 4, 5. Là, je tomberai sur le 2. Et là, je tomberai sur le 3. Déjà, on a 2 x 3, 6. On a le nombre de partants. 2 x 3, 6. Après, il faut faire 13. Oh non, moi, je serais marrant. 13h45, As-3, 4, 5. As-3, 4, 2, As-3, 4, 5. As-3, 4, 2, As-3, 4, 5. Ça serait marrant en trio. Alors, au niveau du poids et dans la course à condition. Mais le rythme de la journée, hein, beaucoup de courses, on va choper soit le 3, le 4 ou le 5 en simple placé. Hein. Voire même gagnant là, jusqu'au quintet. Là. On peut tomber sur le 3, le 4 ou le 5 gagnant même jusqu'au quintet. Et
Sinon, on va retrouver tout le long de la journée. Hein. 3, 4, 5 ans, ça peut passer. Théoriquement. Ouais, je pourrais m'arrêter mon live là, mais je vais essayer de dépucher plus précisément les trucs là. Je vais essayer de dépucher ça bien pour faire des bons paris, mais là c'est pas les courses les plus faciles, hein. Des longues distances en plat, tout ça, c'est chiant. C'est un cheval qui adore les 2600 mètres de Marseille Vivo. Il y a 2600 mètres du plat, Borély. Borély, Mokanchi, tout ça, c'est la journée du 3, 4, 5 en simple placé. Le quintet, c'est à quelle heure ? Pas très bien engagé ici, hein. 60 kg et demi. Oh, c'est ce soir à 18h20. Ouais. Essaye de calculer 18h20. Ça va te donner une combinaison. Tu as 5 combinaisons en mes pages. Essaye de calculer 18h20. Essaye de égaler 13 avec les 4 qui doivent faire l'arrivée. Les 4 premiers qui doivent faire l'arrivée. Essaye d'égaler le nombre de partants. Pour les 5 premiers, tu dois retrouver 3 fois le nombre de partants. Et c'est pareil, tu peux faire des calculs. Par exemple, avec le 15, tu peux faire 5 et 1, 6 ou 5 moins 1, 4. Ou avec le 13, le 13 peut te servir de 2 ou de 4. Tu vois ? Le 15 peut te servir de 15, de 4 ou de 6. Le 13 peut te servir de 13, de 2 ou de 4. Tu vois ? 3 et 1, 4 ou 3 moins 1, 2. Le 15, et puis toutes les dizaines, c'est pareil. Hein. Le 10, bah, tu le gardes en dizaines, mais le 11 peut te servir en 11, en 2, ou 1 divisé par 1, en 1. Quoi. Tu peux même faire des divisions. Les divisions, c'est un peu plus rare, mais normalement, tu as les multiplications et additions, soustractions. Oui, des divisions aussi, oui, c'est vrai. Ça marche aussi. Il y a 2,3 du favori, la R2C6. Et puis c'est 3e place dans on a 2600 mètres. Hein. C'est quoi qui nous fait 2600 mètres? C'est 5 fois 4, 20 et 3 fois 2, 6. 2, 3, 4, 5, les favoris là. Ça me fait chier, avec une distance comme ça, j'accueillerais bien soit là sous le 6, en simple placé. Avec une distance pareille, R2C6. Ça serait bien quand même. Est-ce que ça serait raisonnable? Et puis le numéro 5, Showers of Blessing. Et nous allons pouvoir partir pour cette sixième. 5-2-3, 5-2-3, 5-2-3-4, 5-2-3-6. On s'est déjà parti, c'est dommage. 5-2-3, 5-2-3-4, 5-2-3-6. Ça vient de partir. Maintenant, Gypsy Jet Set, le favori de l'épreuve. En troisième position, Get the Power, le numéro 2, qui devance le 6, Foxteen. Bon, je prends même pas mon ardoise encore, mais je vais être perdu dans mes calculs. Tout à l'heure, il va falloir que je prenne l'ardoise. Premier tournant, Gypsy Jet 7, WA de Quintet, est en tête, le 3, la deuxième place. Il va falloir que je prenne l'ardoise. Troisième position à l'intérieur pour le numéro 2, Get the Power, dans son sillage là. Désolé, gars, je regarde le Facebook 6, sur le PC. Et en position de serfie, le numéro 5, Showers of Blessing. Et il se dirige. Il y a des courses plus confortables, plus à accueillir les bons pronos que d'autres. T'as des courses, tu vas accueillir plus les bons pronos que d'autres courses. Il y a des courses qui sont compliquées, qui c'est une longue distance. La piste en herbe aujourd'hui, les trucs comme ça, c'est 3, 4, 5 en simple placé toute la journée pratiquement. Mais à part les courses à 16 partants, ça va être un peu risqué. Mais sinon, 3, 4, 5 en simple placé aujourd'hui, mais il ne faut pas jouer les 3, tu vas bouffer ta culotte. Ça te rapportera. Les rapports ne seront pas assez gros pour que tu gagnes quelque chose. Il faut vraiment serrer ton jeu. C'est entre 3, 4, 5, tu dois jouer deux chevaux seulement en simple placé, voire gagnant. Tu ne dois pas jouer les 3 chevaux, sinon tu vas bouffer tes gains, tu vas grignoter ce que tu vas gagner. Parce que tu le payes, hein, ton cheval en plus, hein, sur ton ticket. Donc quand tu vas ramasser tes gains, bah,
troisième position. Forcément, il va y avoir un cheval qui va gagner, mais les autres, ils vont être perdants, donc ça va te bouffer tes gains. Il faut vraiment resserrer ton jeu, quoi. Tu peux pas jouer 10 numéros en quintet. Tu gagnes quoi, jouer à 10 numéros en quintet? C'est pour ça que jouer les autres courses, c'est bien aussi. Les autres courses, c'est bien aussi de la jouer. Alors, Gypsy Jet Set, qui s'est dégagé 3-4-2 pour le moment. Le numéro 3, Get the Power, qui l'attaque côté corde. Showers of Blessing, 3-2-4. Qui fait mouvement et qui passe 3-4e. Le 6 a l'air de décrocher. Gypsy Jet Set et Showers of Blessing maintenant qui tente de l'inquiéter à l'extérieur. Get the Power. Je te parlais de quoi? Je me rappelle plus de ce qu'on avait comme réagir. Je te parlais de 3-2. Showers of Blessing maintenant de plus en plus fort. Showers of Blessing maintenant avec Antonio Rani, Gypsy Jet Set qui est côté corde. 3-2-5. Gypsy Jet Set et Showers of Blessing pour le succès. 3-2-5. Gypsy Jet Set maintenant qui va s'imposer. GN en deuxième place pour Showers of Blessing. La troisième place est pour le numéro 2, Get the Power. Ouais, 3-5, 3-5 ça le fait. 3-5-2, ouais, 3-5-2. Associé à Cheyenne Bans qui s'impose donc pour l'entraînement. J'ai dû le donner le trio là, normalement, 3-5-2. J'ai dû le donner, il faut que je regarde 3-5-2-4. 2-3-4-5 on l'avait là. Et 3e et la 4e place pour le numéro 4, Maïleni, 3-5-2. Il n'y a pas de cote entre 10 contre 1 et 19 contre 1. C'est favori là. Il est resté un petit 3-2-5-4, il est favori. Troisième course de rentrée. Lui qui a voyagé en dernière position. J'ai dû le donner, mais. Aux avant-postes, comme d'habitude. Comment je veux dire. C'était parti, je l'avais vraiment à la fin. 3-5-2-4. C'est l'élevage de Franck Benavides. Je l'avais vraiment à la fin, ce prono là. Bon, il y a 16 partants à Mocranchi là. 16 partants, R4-C1. Tu vois, As-3-4-5. R2-C6, As-3-4-5, tu vois. Je t'ai dit, jouer bêtement As-3-4-5 en couplet gagnant. Je voulais en trio, mais non, on l'a pas eu en trio, As-3-4-5. 13h45, ça partait, R2-C6. Il y avait 6 partants. C'était marrant de jouer As-3-4-5. Hein. Mais bon, il fallait, faut toujours éplucher un petit peu, quoi. Là, on part à 14h à Mokanchi, R4-C1. Il y a 16 partants. À Mokanchi. Prix de Longchamp, 14h, ça part à 14h. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Le 15 en favori, donc faut qu'on fasse 14, 15, 16. Voir, comme je te dis depuis tout à l'heure, hein, les. Oui, attends, parce que c'est du monté là. C'est du monté. Hein. À Mokanchi, là. À Mokanchi, on va se taper du monté, de l'atelier, ça va être varié. On a du monté encore R4-C3, on a de l'atelier une longue distance R4-C2, R4-C4 on a de l'atelier, R4-C5 on a de l'atelier, R4-C6 de l'atelier, R4-C7 de l'atelier, R4-C8 de l'atelier. On a deux courses de montée à Mokanchi. La première et la troisième. R4-C1, 14h, on part à 14h, R4-C1. De compétition récent, n'a qu'une 16 partants. Comment on va déchiffrer ça? Il y a 2850 mètres. Comment on fait 14 heures, les gars? On fait 7 fois 2, 14. C'est quoi le 7 et le 2? C'est des grosses cotes? C'est quoi? On fait 10 et 4, on fait quoi? Là, je pense que tu vois, les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 sont peut-être jouables. Il y a combien? Il y a 16 partants. On fait 9 et 7, 16. Ça serait marrant que le 9 et le 7 fassent un simple placé déjà. Je vais vous parler tout de suite de notre premier rendez-vous. J'ai discuté avec Adrien Lamy qui va monter le numéro 6. Comment on va faire ça? Ou alors on fait. Ça s'était bien passé. Depuis, le cheval a galopé, mais il a joué de malchance sur l'hippodrome des. On fait 15, 10, 13, 15, 10, 13, 5, 15, 10, 5. Un lasso en chaîne. 5, 2.
On fait quoi? 5-3, 5 x 3, 15, 5-1, 6. Ah, attends, on n'a pas eu un 2 sur 4, genre A7-4 ou 8-3-5 ici? On aurait peut-être un 8-3-5 en 2 sur 4 ici. Le 15 en favori, il faut qu'on fasse 14-15-16. On fait comment celui-là? Si on chope le 5, on chope le 3 ou le 4. Si on chope le 6, j'aime bien se plaire avec le 9, le 6 et le 9 en simple placé, ou alors le 6 aime bien se plaire avec le 2, l'as et le 4, mais ils sont chers, mais pourquoi pas le 2 et l'as. Le 2 et l'as en simple placé, ou alors une formule 2 sur 4, 8, 3, 5, ou alors le 6 et le 9 en simple placé, ou alors on fait une formule 15, 13, 10, ça fait chier celui-là, ça fait chier. Mais il avait été disqualifié sur sa faute, c'est dommage. 2,7 du favori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a le 10. Là je tombe sur le 10, et là je tombe sur le 3. Là. Par Irina Duris, qui a depuis gagné à Vincennes. On fait une combinaison As-3-10-13. On fait une combinaison As-3-10-13. On ne fait pas une combinaison As-4-10-14 ou As-5-10-15. Et aller prendre une excellente deuxième place. Regardez-le, il finit bien à l'extérieur. En retrait de l'intouchable Icar de Faway. Ouais, sinon on peut faire aussi 15-16-As. 15-16-As. Ça me fait chier de prendre aussi loin, c'est du monté, ça me fait chier de prendre aussi loin, c'est de la piste en sable, là, je sais pas quoi. Là. 2850 mètres, 14h, on part à 14h. Comment on fait 14, les gars? 9 et 5, 14, on fait comment 8 et 6, 14, 9 et 5. Le 8 est à 13 euros, ça serait marrant parce que c'est un numéro porte-bonheur, le 8 à 13 euros. Le 13, il peut faire 3 moins 1, 2, ça fait 2 fois 8, 16. Le 13 et le 8, ça fait 2 fois 8, 16, ça fait un nombre de partants déjà. Ça fait 13, 8. Et 13, 8, 13, 8, 3. 15, 13, 8, 3. Ça me parle bien, mais. Les autres, ils sont un peu forts. Hein. Le 11 et le 12, ils sont un peu forts. Il reste 5 minutes, là. Comment on va faire? C'est du monté. Ça va se prendre des gamelles. C'est la première à Mokanchi, les gars. Ça va se prendre des gamelles. Hein. 14h, faut qu'on fasse 14. Mais faut aussi qu'on fasse 16 de nombre de partants. Il faut aussi qu'on égale 13. Elle battait quand même India Song. Et avec vraiment la manière... Qui a depuis eu on fait 17-3-13. 17-3-13 déjà. Et on reprend 3 derrière. Comment on refait 3 derrière? On fait 10-3-6-9. 10-3-6-9. On a 9.3 égale 6. Déjà, on a le nombre de partants. On a 10 et 3. On a encore 13. On a 13 deux fois. 10-3-6-9. Ça va être emmerdant avec le 3 et le 8 alors. On a 8-3-5-6 ou 10-3-6-9, 10-3-6-5, 10-3-6-8. Il a eu du mal un peu à commencer sa carrière. Le plus confortable ici, c'est les. Tu vois bien que 8 et 9 m'intéressent. Moi, le 6-8-9 m'intéresse, c'est des cotes 6-8-9-13-16. Voilà, ça fait chier, il y en a bien trop là. 9 et 7, 16, 9 et 7, 16, ou alors 10, 6. Ouais, une course comme ça, du monté, c'est une longue distance, 2850 mètres. On fasse 28, là, 28. Comment on fait 28, les gars? On a gagné autre montée, 2 de ces 4 sorties. 21 plus 7. Comment on fait ça? 28. 13 et 15, ça fait 28. 13 et 15, ça fait 28. Ça me fait chier de 1, 2, 3. Ouais, ça va partir, c'est dommage. 1, 2, 3. Ah non, c'est dans 3 minutes. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 10, putain, 10. Mais après, il faut que je fasse 18 derrière. On fait 10, 15, 3. 10, 15, 3. On va dire qu'il est qu'à 80%. Voilà. Il redémarre sa saison
10-15-3, 10-15-3. Ah oui, c'est la formule 10-15, 10-15-13. Il a du pied, donc je voulais pas qu'il court avec des chaussons. C'est un cheval qui démarre bien. C'est la formule 10-15-13-5. Alors, 10-15-13-5, c'est la formule. Ou alors 10-3-13-15. Ça fait chier, ça fait chier. Là, il va falloir de la chance. Il va falloir du 10 sur 10, du 13. Avec le 10 et le 13, j'aime bien se plaire le 15, le 2 ou le 5. 10-13-15-2, 10-13-15-5. On prend quoi ? Une cote de 2,6 du favori. C'était le 2 août à Cabourg, Fred, ça s'était bien passé. Ensemble, ils avaient pris une deuxième place. Ah, on fait 2-3, 2-3-6. Dans les virages à gauche, c'est quand même plus compliqué. Hein, si vous regardez son point 2x6, 12, 2-3-6. 3x6, 18. 2-3-6, 10. En partant, je vais sûrement pas être tout ah, on fait 15-2-3-6. 15-2-3-6. Ça va lui plaire, c'est un cheval qui devrait faire les derniers 800 mètres. Ouais, pourquoi pas. 15-2-3-6, 15-2-3-10, 15-2-3-6. 15-2-3-8, 15-2-3-5, 15-2-3-5, on a une cote de 2,5, on fait 15-2-3-5, 15-2-3-6, 15-2-3-7, 15-2-3, 15-2-3-6, 15-2-3-As, 15-2-3-As, 15-As-2-3, 15-16. La victoire dès son retour monté à 15-16, 13-15-16 As, non, ah putain, 13-15-16 As, ça va payer là, 13-15-16 As, il y a 4-1, l'As je vois pas, ça peut passer, peut-être 3ème, 4ème, 13-15-16 As, mais ça veut dire quoi 13-15-16 As, ça veut dire 13-15-16-3, 13-15-16-6, ou 13-15-16-As. 13-15-16, 13-15-16, c'est satisfaisant, c'est une longue distance. 13-15-16, ça me fait chier, c'est une longue distance. 13-15-16-As, pourquoi pas, 13-15-16-3. 15-13-16-6, 15-13-16-As, 15-13-16-3, R4-C1, pourquoi pas. C'est pas vraiment un accord avec l'arrivée qui vient de se faire R2-C6, mais il n'y avait pas non plus 50 000 partants. On va suivre. Salut Carotte, salut tout le monde. Salut Brahim, R4-C4, t'es déjà R4-C4 Brahim. 6-14-15-16. Bon, je déchiffre des courses là, et puis après je donnerai mon quintet. On n'arrivera pas au quintet, mais je vais essayer de déchiffrer un quintet. Ouais, ça va être aujourd'hui, ça va être chiant. Du premier virage avec un pacte de Well, le numéro 6 qui a l'avantage en deuxième position, Iso 4 du Citrus avec lequel il faut rester prudent. La troisième place pour Ivana du Candos, la quatrième place pour Il Déroule, le numéro 4. R4-C4, Brahim, R4-C4, 6-14-15-16. Ensuite, R4-C4, c'est Mokanchi, Réunion 4, Conce 4. Devant Idola, le numéro 15, la pouliche de Mathieu Motio qui disparaît sur faute à 15h35. Elle n'a pas été remise, en tout cas on ne l'aperçoit plus sur ces images, mais on a peut-être perdu la favorite lors de ce premier passage dans la ligne opposée. Nouveau virage. 6-7 As pour le moment, 6-7 As, la R4-C1, 6-7 As. Qui est venu maintenant 4e. Le 8 est disqualifié. Qui vient un peu plus loin, devant également le numéro 9, Isa Derpion, qui commence à se rapprocher un peu à l'extérieur. En dedans, on retrouve Invictus Legrand, le numéro 11. Alors que Idola n'a peut-être pas été disqualifiée sur cette faute, on voit qu'elle commence à recoller au peloton. Pour l'instant, pas de numéro 15 dans notre bande. Il reste encore la moitié du parcours. Hein. 1400 mètres qui ont été courus, il y a 2850 mètres à courir. Je me remets un petit peu à faire du footing, alors ça me motive pour faire les courses. J'ai couru 7 km ce matin, j'ai marché et couru 7 km. J'essaie de me remettre dans le footing. Comme ça, après, je suis bien pour faire les courses.
progression maintenant avec Mathieu Mottier. Elle est parmi les derniers, mais elle 6-9-7 pour 6-9-7 là. Et elle commence à se rapprocher gentiment. Il y a 1800 mètres qui ont été courus. Il va rester 1000 mètres à parcourir. Le dernier passage en face 6-7-9, avec toujours un pacte de Noël, qui a l'avantage sur Isocrate du Citrus, Isader Pion qui est troisième. Il sombre fixe en quatrième. Ça va peut-être se bousculer, hein, il y a 2850 mètres à faire. Le 8 et le 7, tu vois, ils sont KO. 8 et 7 sont disqualifiés. Le 13 qui fait voir son le bout du nez. Du numéro 7 qui a été disqualifié, Isocrate du Citrus. R4 c'est 1, R4 c'est 12, Brahim, tu fais quoi? R4 c'est 1, ah ouais, R4 c'est 1 alors, 6, 14, 15, 16 pour toi Brahim, R4 c'est 1. 6, 14, 15, 16. Moi j'avais envie de mettre du 10, du 13 et du 15 aussi, non? C'est mes numéros chance. Avec le 6 ou l'As ou 10, 13, 15, 10, 13, 15, 16, où j'avais envie de mettre le 16 aussi. Le 14 est par terre, le 8 et le 7. Il y en a d'autres là qui font les fautes. Maintenant la favorite s'est terminée pour elle et Yervan de Guez qui fait mouvement à Pacte de Well qui part fortement sur sa droite. Il le 15 il est KO, il a fait une faute le 15. Le numéro 6 qui a toujours l'avantage sur les Sambrofix, le numéro 3. Le 5 a fait KO. Le 6 alors il marque gagnant. Qui va s'imposer de bout en bout même s'il a fortement penché pour finir. Le 6 marque gagnant donc derrière on doit avoir une valeur de 2-10 sur un truc comme ça derrière. Avec 2 chevaux, peut-être le 10 arrive dans les 4. Le 6 premier, qu'est-ce qui tombe derrière? Le 6 premier, qu'est-ce qui tombe derrière? Le 13, 6-13. Qu'est-ce qui tombe derrière? 6-13, il va tomber le 3 alors. Ah, le 3 quatrième. 6-13, 3-9. 6-13, 3-9, 4. Qui a commis un 2 fautes dans le parcours. Une première en face et une autre pour finir. Il n'y a pas là ça. Il y a bien 13-3-10-As. J'avais ma formule 13-3-10-As. Elle a bien marqué, mais il y avait 6 et 9 qui me plaisaient bien. C'est des courses à cueillir de 6 et 9, mais bon, c'est du monté. T'as vu les codes qu'il y avait et tout? Indéchiffrable. 2850 mètres, là, il y avait 16 partants. 13 et 3, 16. On a le 13, une valeur de 13. On a 6 et 9, 15. 3 moins 1, 2 du 13. 6 et 9, 15, moins 2, 13. Fallait qu'on fasse aussi 16, hein, 16, le nombre de partants. On a 13 et 3, 16. Fallait qu'on fasse 14 heures, là, le départ. 9 moins 6 égale 3, 3 divisé par 3 égale 1, 13 et 1, ça fait 14, 14 heures. Je te dis, t'es un peu tordu celui-là. On n'a pas les courses les plus favorables, hein. Je te parle du 3, 4, 5, on s'est un peu placé aujourd'hui sur beaucoup de courses. Hein. Voilà, c'est tout ce qui me fait la journée, hein. J'essaie de déchiffrer des trucs, mais c'est indéchiffrable. Ils n'ont pas mis encore le... Il y avait quoi 6-13-3-9, hein. 6-13-3-9, hein, il y avait. Là, on part à Borély, c'est du plat, c'est 2600 mètres. Je vais faire un live, c'est pas la journée la plus facile pour faire un live. Hein. 6-13-9-3-4, hein. R4-C1. 6-13-9-3-4. Les valeurs entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Le 6, il était à combien? À 16 euros. Le 9... À 19 euros, le 3. À 6,2, le 13. À 17 euros, tu vois. Les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, ici, c'était satisfaisant. 6-13-9-3, à 4-1. 6-13-9-3-4, le 4, il a combien de valeur? À 153, putain. La mère Magical Romance, c'était aussi une très bonne jument. Ah, regarde les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. T'as vu, ça fait le trio. Un trio, il va faire mal celui-là. Il y en avait combien au final des cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 là? Il y avait le 16 aussi, il y avait le 8. Ah, il y avait 5 chevaux entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Tu vois, ils ont fait le trio.
On va regarder la valeur du trio, combien il va faire. De 58 kilos, et ça va être joli celui-là, R4C1. À voir maintenant. Alors, elle a pas de... En France, elle a pas... Là, on part sur R2C7 à 9 partants. Pour Glorious Remains, qui est à 3,30€. Et je vous propose d'écouter son mentor, Jérôme Régnier. Glorious Remains, c'est une première sur notre sol. Et R2C7 à 9 partants. On a la course d'avant, on a 16, 13, 9, 3, 4. Hein. La course d'avant. Il faut qu'on fasse 14h15. Hein. On a le 9 en favori là. C'est une longue distance, c'est 2600 mètres. Il faut qu'on fasse 26 aussi. Moi je te parlais aussi de faire 2850 mètres là, R4C1. 2850 mètres. T'avais parlé de 6 x 3, 18 et retrouver 10 derrière. 6 x 3, 18 et retrouver 10 derrière. 9 et 4, 13. 9 moins 9.50 mètres, R4C1, la course qui vient de se couvrir. 2850 mètres, fallait qu'on retrouve 28. Comment j'ai 28 et là 9 x 3, 27. 9 x 3, 27. Et 9 x 4, 9 x 4. Fallait qu'on retrouve aujourd'hui, c'est 3, 4, 5, on s'en peut passer. 4, 5, on l'a pas fait. Et R2C7, R2C7, 14h15, R2C7, à Borély. C'est quoi les trucs? C'est des vieux chevaux en plus? C'est des longues distances? C'est des vieux chevaux? Non, c'est des 3 ans ici? R2C7, c'est des 3 ans. Il y a R2C8 derrière et il n'y a plus rien après. À Borély, ça va se calmer aujourd'hui. C'est l'avant-dernière à Borély, il faut prendre en compte aussi. Les jockeys ils commencent à se détendre. Ça va être une arrivée un peu... je sais pas comment on peut... R2C7, 2600 mètres, 14h15. 8 et 6, 14. 8 et 6, 14. 8 et 6, 14, 8.6, 8.6, 9.6, 4.3, 9, 8, 8, 6, 8, 6, 3, 8, 6, 8, 6, 9, 8, 6, 9. On a une longue distance, 4,6 du favori. Qu'est-ce qu'on va faire comme pari là? 14h15. 14 et 15, ça fait 29. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure à R4C1 là? Je partais d'un 4 on partait à 14h. Il fallait qu'on fasse 14. 4 moins 3 égale 1. 13 et 1, 14. R2C7. On fasse 14 et 15, ça fait 29. On va accueillir le 9 ou le 2. Le 2 il est un peu cher, mais bon. 29. 2 x 7, 14. 9, 9 et 6, 15. 14h15. On a 14 plus 15, 14h15, R2C7. 14 plus 15, ça fait 29. On a 2 et 9. Donc 14h15, on fait 2 x 7, 14. Et 9 et 6, 15. Donc on devrait avoir... 9, 7, 6, alors. 8, 7, 6. 9, 7, 6, 8, 7, 6. Et moi, ça me plaît pas trop, ces chevaux-là. Ou alors, on a une combinaison. Ma combinaison en haut de mes pages, 9, 8, 7, 3, là. Ça me fait chier, j'ai envie de mettre le 6, moi.
14h15. On a 14h15, ça fait 29, 2 et 9. Ah, le 3 est favori là. 29, ça fait 2 et 9. Donc on fait 6 et 3, 9. 6 divisé par 3 égale 2. Donc avec 6 et 3, on devrait avoir quelque chose. Et sinon, comment on fait 6 et 3 là? On fait 9 et 5, 8 et 5. Non, on fait comment? 4,4, 1, 2, 3, 4, le 6, 1, 2, 3, 4, le 13. On a une cote de 4,3. On met 4 et 3, alors ça peut passer. 4,3. C'est quoi là? R4-T1, on a la fin de R4-T1, 4-3. Donc on va faire 4-3. On a 4-3-9, l'arrivée d'avant, R4-T1. J'ai envie de refaire 4-3-9. 4-3-9-6, l'arrivée d'R4-T1. Pour R2-C7, ça serait marrant. Il y a 2600 mètres. 4-3-9-6. Ouais, on va pas faire le convaincu. 4-3-9-6-2. Ça fait 2-3-4. On fait 9-2-3-4. 9-2-3-4. On fait un petit. Là, c'est des pistes en herbe. J'aime bien faire des suites, moi. Genre 9-2-3-4 ou un truc comme ça. Ou alors 2-3-4-6. 2-3-4-6 ou 9-2-3-4. Là. C'est une longue distance. Hein. Là, je parle plus de 14h15, hein, 2,9. 14h15, 2 fois 7, 14. Putain, ça repasse au 8 favori, le 3 favori, ils savent pas là. R2C7, 14h15, ça fait 2 et 9. 2 fois 7, 14. Et 9 et 6, 15. Donc on a 6, 7, 9. 6, 7, 9, 3, 3, 6, 7, 9, on a les favoris, 3, 6, 7, 9, ça me fait chier de pas mettre 8 là, 3, 6, 7, 9, 8, je pense qu'on aurait les favoris là, 3, 6, 7, 9, 8, là. On a une longue distance, ça serait marrant de mettre ma combinaison 7, 8, 9, 3 là, on a une cote de 3,8 du favori, le 8 là maintenant, au dernier moment il passe le 8 en favori, à 3,8, on va mettre 3,8, on fait 3,8, 6,9, 3,8, 7,9, peut-être un trio, 3,8, 7,9, on met une cote de 3,7, 3,8, on met 3,7,8, 3,7,8,4, 3,7,8,6, 3,7,8,9, 3,7,8,5, 3,7,8,2, j'ai pas mieux, ça va partir. On n'a même pas le temps de faire les paris parce que à chaque fois je l'ai au dernier moment. Au dernier moment ça m'illumine. Bon, je vais pas rester 107 ans les gars, il n'y a personne qui regarde les lives. Attends, il y a 15 notifications là. Je fais une mise à jour des notifications les gars. J'ai 15 notifications. Mètres qui ont été courus là, il y a 2600 mètres à faire. À 6-8 pour le moment. Maintenant avec Belmar à l'extérieur, Glorious Roman, ça ne touche pas.
La piste en herbe, j'aime bien faire des flips, hein, même s'il y a un décalage d'un numéro, voire deux numéros. Et les flips aiment bien ce numéro, tu vois, les flips, qu'est-ce que je veux dire, 6-7 ou 9-8 ou des trucs comme ça, tu vois, des flips. Généralement, c'est des flips de 3 numéros, mais avec un petit décalage et puis il y a le quatrième. Et c'est tombé sur la... Faut bien le poser, quoi. Je vais mettre du shoot en prenant les numéros de la fin puis en revenant sur l'As. Hein. Tu peux prendre 6, 7, 8, 9 As, hein, un truc comme ça. Hein. Ah, putain, l'As, il a bien pris là, putain. Le deuxième là, ça. C'est quoi le deuxième? C'est l'As, non? C'est à 6, 8, et là s'il était fort, hein. 7 à 6, 8, 9, ah fait chier, 7 à 6, 8, 9, 3, fait chier, c'est cet as de merde, il est une belle tête cet as, là c'est à combien, 60 euros là-bas, putain. On parle des favoris, mais si on accueille des favoris, on peut accueillir une belle cote comme là, ça. Fait chier, putain. Si les courses t'accueillent les favoris les plus petites, tu peux accueillir une belle cote. Hein. Fait chier, putain de merde. Tu vois la suite, là, 6, 7, 8, 9. Et après, tu prends l'as derrière, tu fais la suite. C'est comme ça. La piste, elle est comme ça. Tu fais la suite 6, 7, 8, 9, as. Fait chier. On l'avait la suite, mais... C'est des possibles suites, hein, aussi, qui peuvent se faire comme ça. 14h15 de départ. 8 et 1, 9 et 6, 15. 8 moins 6 égale 2. Et 7, 14. 14h15. 14 et 15, ça fait 29. 2 fois 7, 14. 9 et 6, 15. Il y avait 9 et 6. Le 7 et 6, pardon. Je me faisais bien. 7, 6. 7-6, le favori c'était 8, 7-6-8, et j'ai pas pris le bon derrière, 7-6-8, il y avait 9 partants, 7-6-8, putain, j'ai pas vu l'as, hein, j'ai pas vu l'as, ça m'est pas percuté que je pouvais en mettre une grosse, si je prenais le petit, avec cette distance là, c'est chier. Bon, j'en prends encore quelques-unes, les gars. Par un mot canchi, R4C2, à 14h30, 14h30, R4C2, mot canchi, 2850 mètres, 14 et 30, ça fait 44, le 4 pour faire 14, ça fait 10, et le 4 pour faire 30, 4 fois 7, 28 et 2, 4 fois 8, 32, le 7 et 8, hein. On a 16 par fois. Ça fait 17-8, 17-8, on prend le favori ou le 4, 17-8. Mais va bien y avoir des emmerdeurs quelque part, va bien y avoir des cotes qui vont nous perturber. 14h30, le 10 c'est une forte cote, le 4 à 36 euros, le 7 à 20 euros. Là on est R4C2, 14h30, 2850 mètres, c'est des comment, des 4 ans, je te parlais de 3, 4, 5 ans, ça peut passer aujourd'hui, mais est-ce que ça va durer ou pas là? 3, 4, 5, voire même gagnant aujourd'hui, hein, ça peut passer, voire gagnant, mais... Des courses avec beaucoup de partants comme ça. Il y avait 9 partants pour la R2C7, c'est pas mieux non plus, mais. Et plutôt la cote du favori, c'était 3,7, 3,8, la cote du favori, ou 2,7, 2,8, R2C7. Le 8 était à combien? 3,4, pardon. 3,4. Il y avait 9 partants. Et 9, 8,
7, 6, donc il prend les 6, 3,4 si on compte les 4 à partir du 9, et si on compte les 3 à partir de l'As, donc ça fait 2, 3, 4, on avait le 4, on avait le 6 et le 4, on n'a pas le 4, on a juste le 6. Normalement, il y a un truc comme ça, c'est déjà satisfaisant, mais on peut calculer, mais j'aime bien aussi calculer avec le 14h30, R4 c'est 2, 14h30, ça fait 44, pour faire 14h30, 44, ou pour faire 9, le 4 et le 4, pour faire 13, pour faire 16, pour faire 14h30 avec le 4. On fait 9 et 4, 13, ou alors on fait 12 et 4, 16, le nombre de partants. Ou alors on fait 9 et 4, 13, ouais. Ou alors 14, 4 as. Ou alors c'est 14, comment on fait 14, on prend 14h30, on peut prendre le 14, là il est à 8,6. 14h30, on peut prendre le 14. On fait quoi là 14 as 4, on fait quoi 14 as. Ou alors on fait as 2 12. On fait 14 as 2. On a une cote de 2,7 du 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 10, mais j'en veux pas du 10. Moi. On fait 14, 15, 5. On prend 10 en 15 moins 5. Mais je partais du 4. Hein. Si j'ai le 14, pour faire 16, pour faire 13, si j'ai le 14 et le 4, là, parce que 14h30, ça fait 44, ça fait 4 et 4. Donc, déjà je prends 14 parce que 14h30, je prends 14. Donc avec le 14 et le 4, 14 plus 30, ça fait 44, ça fait 4 et 4. Donc je prends 14 parce que 14h30, je fais 14. Avec le 4, 14 et 4, je dois égaler 16. Oui mais le 4 il est cher la merde. Je prends le 4 en forme de 15 alors. Je prends 4 en forme de 15. Sinon le 4 est à 35 euros. C'est quoi les cotes à côté? Il y a une cote à 110 euros, une cote à 49. On va regarder l'allure du 4. On fait 14-4. Ça veut dire quoi 14-4? 1, 2, 3, 4, 14-2. R4 c'est 2, le 4 ou 2. On fait 14-4-2. 14-4-2. 14-4-2-5. Ah mais si j'ai 5. Le 11, il a 21. 14, 11, 12, As, 14, 11, 12, 2, 14, 11, 12, 5. Je vais faire du 10 favori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en veux pas du 10, putain, et le 10, j'en veux pas du 10. Il a 51, 10, j'en veux pas. Les cotes entre 10 contre 1, 19 contre 1, combien ils y payaient tout à l'heure R4C1, le trio R4C1, les cotes entre... Ah, il est terminé sans modification. Les cotes entre 10 contre 1, 19 contre 1 pour Mokanchi en trio, ça a fait combien 371 euros les gars. C'était possible à jouer. Hein. C'est un peu aussi le tempo de la journée ça. Hein. Le 3, le 4, le 5 ou alors les cotes entre 10 contre 1, 19 contre 1 aujourd'hui. Quelques courses, hein. Je dis pas sur toutes les courses parce qu'il y a des courses qui n'accueillent pas des cotes comme ça, mais si tu prends les petites cotes, tu peux jouer genre l'As, tu vois R2C7, tu vois l'As à 60 euros, t'es arrivé deuxième. Si tu prends les petites cotes, tu peux prendre une cote à 60 euros, mais là, c'est quoi les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 là. Il y a 5 de As, en tout 5 de As. En 12, 5 de As, entre 10 contre 1 et 19 contre 1. J'ai
parler du 4. Le 4 pour faire 13, pour faire 16. Effectivement, on a le 12. 4 et 12, ça fait 16. Je parlais de 14h. 14h, c'est quoi le départ? 14h30, ça fait 44. Donc si on a 4, on fait 4 et 12, ça fait 16, ça fait le nombre de partants. Sinon, comment on fait 12, les gars? 4 et 12. Mais j'en veux pas du 4, je prends 14, alors je prends 14 ou 15, je prends 14, 12 ou 15, 12. Je prends 14, 12 ou 15, 12. Donc il y a une cote du 12, là, entre 10 contre 1 et 19 contre 1 du 12 qui me plaît bien. Mais après, si je prends 16, 12 ou 15, 12 ou 14, 12, je fais quoi de ça? Ou genre un truc R4, C2, là, putain. Là, c'est de la tête. Tout à l'heure, on avait dû monter à mon canchy. Hein. C'est pour ça que ça me perturbe. Là, là on a de l'attelé, là. On va pas faire 11, 12, 13. Alors on fait quoi? 13, 14, 15, As. 13, 14, 15, As. Le 12, le 12 et l'As. Le 12 et l'As, ça fait 13. 12 As, ça fait 13. On fait 16, 12 As. 15, 12 As. 14, 12 As. Bon, je serai pour faire 14, 12 As. 14, 12 As. 14, 12 As. 14, 12 As, 14, 12 As, 14, 12 As 6, 14, 12 As 5, 14, 12 As 4, 14, 12 As 16, non, 14, 12 As 15, peut-être, 14, 12 As 15, 14, 12 As 5, 14, 12 As 6, 14, 12 As, As 2, 14, 12 As 11, 14, 12, 11, 14, 12, 11, ouais c'est ça, 14, 12, 11, 14, 12, 11, 14, 12, 11, 14, 12, 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14, 12, 11, 14, 12, 11, 2, 14, 11, 12, 5, 14, 11, 12, 5, 14, 11, 12, 6, 14, 11, 12, 16, 14, 11, 12, 14, 11, 12, 6, As, 14, 11, 12, 5 As, 14, 11, 12, 16, à 4, c'est 2, 14, 11, 12, 4, le 4, il a maigri, là, il a maigri, 14, 12, 14, 12, As, 2, 4, 14, 12, As, 2, 4, 14, 12, As, 2, 15, 14, 12, As, 2, 4, 14, 12, As, 2, 15, R4, c'est 2, le 4 et le 2, ça peut passer, R4, c'est 2, une belle cote à 20 contre 1 là. Pourquoi pas? R4 c'est 2, le 4 ou le 2, ça peut passer. Sinon une combinaison 14-12, 14-12, 14-12, ce que je te disais tout à l'heure. 14-12-5, 14-12-5, 14-12-5, 1, 14-12-5, 11, 14-12-5, As, 14-12-5, 2, 14-12-5, 4, 14, 12, 5, 15. Mon satisfaisant, c'est 14, partir à 14h30. À 4, c'est 2, 13, 16 pour toi, Brahim. Bah, j'ai pas de 16, hein. J'ai pas de 16, j'ai le 13 non plus. Mais bon, on va regarder. Bon, j'ai mon café à côté, je vais prendre mon café. Ça fait combien de temps que je suis en live? J'ai pas un saut trop longtemps. Mais... Ah putain, j'ai encore la musique là? Ah putain, je suis con. Je me dis, je vais mettre la musique vite fait, je vais l'enlever, mais...
Brest, idéal de Brest, le numéro 8 est en 3. J'avais oublié que j'avais la musique, les gars. Yves Idol Darling, le numéro 2, qui est en 5e position. J'ai pas trop l'habitude des streams, les gars. De la casaque verte, et notre casaque verte ensuite, celle du numéro 4, Ipswich de KO. Juste devant le favori qui est là, une love color vient plutôt côté corde, puisque personne veut trop aller côté corde. L'Indien de Fontaine vient donc environ à mi-paquet, avec juste devant lui, juste derrière lui, pardon. Oh, généralement, quand tu pars sur le à égaler le nombre de partants et tout, et tu pars sur des combinaisons, c'est ta première impression qui est toujours la bonne, mais quand tu te perds sur des calculs. Qui est maintenant dans le sillage d'Indien de Fontaine. Après un tour de piste parcouru, il passe une nouvelle fois devant les tribunes avec toujours Edoc Trodewel et Indy Bakalaika qui mènent cette course. En troisième position, idéal de Bryce, Yves Durib et Idol Darling qui viennent en quatrième et cinquième position, juste devant une love color ou encore Indien de Fontaine. Le numéro 10, c'est Igual Blue, vient côté corde à environ un mi-paquet devant Iceberg Blanc qui suit le favori. Dans 14h15, R2, c'est 7 et 8, 15. 8 moins 6 égale 2, 2 fois 7, 14. 14h15. Ça fait 14 et 15, ça fait 29, 2 et 9. On avait bien 9 5e, mais le 2, 8 moins 6, 2. Ou... qui a l'avantage avec Indy Bakalaika, le numéro 5 qui est toujours deuxième devant Yves Durif, troisième qui est devant depuis un petit moment, mais pour l'instant il va assez facilement. Si c'est un 7 et 7, 14, 14h15, R2C7, si c'est un 7 et 7, 7 14, et le 15, 8 et 7, 15. Iceberg Blanc également, il bon. Est d'ailleurs dans son sillage, les favoris qui commencent là, on part à 4C2, 6-7-5, As-9-4-12 par terre, As-9-4-12 par terre. As-9-4-12 sont KO. Je parlais du 2, R4-C2, le 4 ou le 2. Dans son sillage, Iceberg Blanc et Nambré également. L'un des chevaux les plus en vue également. Les trois favoris qui se rapprochent maintenant tout à l'extérieur. Moins de 500 mètres à parcourir. Le 15, c'était le favori, le 15. Toujours qui a l'avantage devant le numéro 6, Yves Durib. Il déboîte de l'autre côté. Est-ce qu'il va faire un classement? Il est vraiment en peine. Il est vraiment en peine. Iceberg Blanc également qui sait très bien faire amener. As-9-4-12. C'est le 14 qui est venu gratter alors. Il va faire le plus 14. Non, c'est le 16 celui-là. Le 14, 3ème. 14, 15, 16. Alors, on avait la combinaison. On avait la suite. Hein. C'est de la piste cendrée. Hein. 14, 15, 16. Hein. La piste cendrée, les gars. Il y avait 16 partants. Bon, on a pris le 16. On n'a pas pris 14h30. On a pris 14 et 16. Ça fait 30. Hein. Et 14h. 14, 16, 15. J'avais pas trop confiance du 15. Ouais. J'accueillais plutôt le 14. Je l'accueillais devant. Tu vois, il y a le 6, 4e, The Couillon. Résister jusqu'au bout à la bonne fin de course du numéro 15, Iceberg Blanc, le numéro 14. À 4 et 2, il n'y a pas de 4 ou 2. As-9-4-12. 16-15-14, hein, tu vois la suite. Première place, Indien de Fontaine qui gagne très bien, puisqu'il a ramené en plus en son porte-bagage à Iceberg. 14-15-16. En 2 sur 4, j'avais 14-11 ou 14-6 en 2 sur 4, ou 14, j'accueillais 14-15. Enfin, il va falloir que je regarde le live, j'enregistre le live, mais il va falloir que je le regarde derrière. Je ne sais plus ce que je raconte. Il y a tellement de courses à déchiffrer. Et je fais la dernière R2C8 à Borély, puis je vais passer à autre chose, les gars. Je vais arrêter. Hein. Merci les gagnants de PMU. Merci. Diffusez ma vidéo. Merci les amis. Brahim, R1, c'est combien? T'es parti en Réunion 1, Brahim? On est R2C8 là. Ah oui, R2C8. 3, 9, 10 alors. Brahim, 3, 9, 10, ah, R2C8. 3, 9, 10. Il y a encore 15 partants. C'est du plat, c'est 2600 mètres. Il y a des longues distances en attelé et puis des longues distances en plat. C'est un peu chiant. On accueille encore les favoris là ou pas, R4C2 là? 16, 15, 14. Ouais, tu vois. On va la retrouver. On prend le 6, Yves Durib et le 11. Sur ses 6 dernières apparitions, 16, 15, 14, 6, 11. Encore les favoris, hein, ça ne paye pas de jouer ça. Hein. Ça ne paye pas de jouer ça. À 14h30, R4C2, fallait jouer le 14, hein, ça peut passer. Il y avait que ça de vrai. Hein. Moi, je partais sur des combinaisons, mais.
se mettant hors de portée dans les 200. Le 16, il a baissé pendant la course, c'était le 15 en favori là. Nous indiquant en regardant cette course de référence, la 4 C2 là. Handicap dans les jambes. Elle est partie de la plus petite valeur. R2 C8, Brahim 3 9 10. 17 et demi. R2 C8. R2 C8 à Borelli. Alors après au niveau de l'engagement, c'était 2600 mètres, 14h45. 25 et moins. Intéressant d'aller vers 2800 mètres, 2600 mètres, évidemment. C'est la dernière à Borelli. Dans ce type de 2600 mètres, 15 partants, 14h45. 14h45, ça fait 59. Le 5 et 9, le 5 plus 9, ça fait 14h. Et le 9 pour faire 45. 9 x 4. 9 x 2, 18. 9 x 4, 36. 9 x 5, 9 x 5, 45. Pour l'entraînement de Christophe Escudère, qui a déjà remporté 9 x 5. Courses, il y a 7 contre 1 et quand même beaucoup d'argent par rapport à ses récentes performances. C'est, là, c'est ça 9, non, attends. Il y aura la jument Moko 5, dans la 5, 8e et dernière. Est-ce que vous êtes 5 x 8, 40. 5 x 9, 45. C'est ça. Le cavalier était passé 2000. Je ne sais plus. 9, 14h45, 9 et 5, 14, et 9 x 5, 45. 9 x 2, 18, 9 x 4, 36. Ouais, c'est ça, 9 x 5, 45. Le 9 et le 5. Mais sinon, comment on fait 9 et 5, les gars? Il y a 15 partants. On part à 14h45. Est-ce qu'on reprend 14 encore? 14h45, R2 C8, c'est du plat, 2600 mètres. Il y a 15 partants, comment on fait 15? On fait 9 et 6, 15, on fait comment 15? On fait 10 et 5, 15. Et comment on fait 13 à retrouver 13? On fait 8 et 5, 13, on fait quoi? Déjà, il y a 8 et 5, ça me plaît bien, on fait quoi? On fait une combinaison 8, 5, 3? Ou une combinaison... 5 x 3, 15. On a des cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 ici qui sont pas mal, qui sont bien plaisantes. Des cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 ici. On a As 3, 5. En plus, c'est la journée As 3, 5. 3, 4, 5, c'est la journée en simple placé. Ou alors le 6 et 9 en simple placé. Ou 3, 4, 5 en simple placé. On a une cote de 3,5 du favori, le 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, effectivement, on a 10. Ah non, on a le 11. 1, 2, 3, 4, 5. On a le 11. Sa troisième perf de Vichy est très très bonne. Le 11, il est cher. Il est cher. 2600 mètres, 15 partants, 14h45 de départ. Il y a des cotes à 60 euros. Comment on va faire ça? 3,3 du favori maintenant. Donc on prend soit le 4, le 3, le 5. Une cote de 3,4, on va prendre 3, 4, 5 alors. On fait As 3, 4, 5 ou 10, 3, 4, 5. On fait quoi? 3, 4, 5, 6. 6, 6, 4 As. 6, 4 As. Le 10 en favori, il faut qu'on fasse 9, 10, 11. On fait 6 et 3, 9. 6 x 3, 6 fois 9, 10, 11. 6 et 3, 9. Il ne lui était pas associé lors de ses dernières sorties, mais la jument peut confirmer dans ce lot. Thomas Trouillet, 6 et 3, 9, 6 et 4, 10. Avec Saint Rita, le numéro 1, qui elle aussi enchaîne les bonnes performances. 6, 3, 4, As, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, As, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, As. Deux chevaux d'âge bien connus. Dandy River et Libby. Mais ce qui est emmerdant, c'est le 10 favori. Là. Le 10 favori, les champs. Ouais, peut-être s'en méfier pour les places. Moi, je me méfierais. 6 et 5, 11. 6 et 5, 11. 6, 5, 3. 6, 5, 3. 6, 5, 3 ou 6, 6, 5, 4, As, 6, 5, 3, 10, 6, 5, 3, 10, 6, 5, 4, As. C'est
chose, elle l'a montré la dernière fois avec ses 60 kilos. 10, 6, 5, 4 as, 10, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 10, 5, 4, 3, 10, 6, 10, 5, 4, 10, 6, 5, 6, 5, 6, 5. La course d'avant, R4C2, on a le 11 en 5e position. Là, on part à quelle heure? 14h45. Et 6 et 5. 9 fois 5, 45. C'est ça. Bien engagé avec cette valeur 24. On fait 10 as. Il avait montré qu'il était 10 as. Avec ses deux podiums, après 10 moins 1, ça fait 9. 9 fois 5, ça fait 10 as. 10 à 5, 10 à 6. 10 à 5, 10 à 6. 10 à 5, 4, 10 à 6, 4. Lui aussi, hein, si, 10 à 5, 4, 10 à 6, 4. Il peut gagner. Ça fait chier de prendre le 10. Hein. De 4 euros le 10, 4,1. Là, je prendrais 14. Là, je préférerais prendre le 14, effectivement. Je préférerais faire 14. Je préférerais faire un truc comme 14 as 2 3 ou un truc comme ça. Deux hommes en forme depuis le début de la journée. Dans les 4, je pense que c'est un bon point d'appui. Ou 14 2 3 4 ou 14. Vous partez donc sur Prince de Calas ou en point d'appui. Moi, j'irai vers Sainte Rita, donc là. 14h45. On fait 4, on fait 14, 4, 5, on fait 10, 14, 4, 5, 14h45. On fait 14, 4, 5, 10, 14, 4, 5, 6, 14h45, on va pas s'emmerder, on va faire 14, 4, 5. Hein. On s'en peut placer. Hein. Brahim, t'as 3, 9, 10. Non, 14h45, je mets 14, 4, 5. 14h45, je mets 14, 4, 5 en simple placé. S'il faut mettre une formule, j'ai 14, 4, 5, As, 14, 4, 5, 6, 14, 4, 5, 10. Moi, je m'emmerde pas, 14h45, je mets 14, 4, 5. 14, 4, 5, 10, 14, 4, 5, As. Une cote de 4,1 du favori. 14, 4, 5, 10, 14, 4, 5, As, ou alors 14, 4, 5, 10, 14, 4, 5, As, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14, As, 14, As, 10, 14, As, 10, 14, As, 5, 14, As, 10, 14h45, 14, 4, 5, en simple placé, 14, 4, 5, As, 14, 4, 5, 10, en 2 sur 4, voire couplé As, 4, 5, 14 As 3 4 5, 14 As 3 4 5, 10 As 3 4 5. Dernière course, le prix du pilon du roi sur 2600 mètres, handicap de catégorie pour ses 4 ans et plus. Et le gris, c'est une longue distance. La partie numéro 4 avec également l'As Sainte Rita qui vient. Bon, j'arrête après. Ça fait combien de temps que je suis en live? Pratiquement une heure et demie. Bon, pour un retour, c'est pas mal, non? Pour un retour, je vais essayer de faire des vidéos régulièrement, les gars, mais... Merci les gagnants PMU, merci le secret du turfiste. Abdallah qui s'inscrit sur le secret du turfiste. Merci les gagnants de PMU. Merci les amis. Je vais arrêter là. Je vous déchiffre les courses. Ça fait combien de temps que je suis en live là? Une heure et demie. Là. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Après, je vais poster sur... Je vais essayer d'enregistrer la vidéo puis poster sur les réseaux YouTube et Twitch. Je sais même pas sur Twitch, je vais pas pouvoir poster sur Twitch, hein, je pense pas, je sais pas. R2 C8. L'autre possibilité, c'est de retrouver 2 ou 8.
2600 mètres en tête de course. Ah putain, merde, ça a coupé là. Ah, je regardais un truc, avec en tête Italie de Carcer à son extérieur, Moko qui lui met la pression, Prince de Calas qui est décalé maintenant par Marvin Grandin, Dandy River qui est là, quatrième, avec ensuite à l'extérieur, on tente de revenir avec Crocus Borget ainsi que Harry qui est lancé et Saint Rita. Moko pour R2C8, la victoire, qu'est-ce qui va tomber R2C8 à 14h45 14-4-5, hein. 14-4-5-As, 14-4-5, 10-4-5. Là, c'est le 6. La combinaison à 6-2-4, non ? Putain. Ah, il y a le 4. Il y a l'As, le 6, le 4. Putain, la combinaison à 6-2-4. Thomas Trullier, l'entraînement d'Isabelle Juto, la casaque d'Isabelle Juto, qui devance a priori. Ah, je me suis vautré là. Deuxième face au numéro 6, Moko. On a ensuite le numéro 5. 14h45. On prend la quatrième place. Et 14-4-5. Numéro 10. Fitch chez ce 14. Lyon As 4 ou 10-4. Fitch Olympia qui finit donc 5e de cette épreuve. J'étais pas loin pour faire un truc. Mais bon, alors, le feeling du jour pour les courses qui se déroulent sur l'application PMU, les gars. Le feeling du jour, ça soit une arrivée avec le 6 et le 9 qui vont s'inviter en simple placé, ou soit le numéro 3, 4, 5 en simple placé, voire gagnant. Il faut que ça soit, ou alors les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 aujourd'hui. Tu as trois possibilités de parier aujourd'hui. Les cotes, pour faire des simples placés, il va falloir que tu recherches, sinon, les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, essaie d'en placer une ou deux en simple placé. Sinon, tu joues les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Sinon, tu peux jouer entre le 3, le 4, le 5 en simple placé. Voilà, tu as déjà deux thématiques possibles. Et l'autre thématique, la troisième thématique, c'est jouer le 6 et 9 en simple placé aujourd'hui. Le 6 et 9. Tu as trois types de paris à faire aujourd'hui. Si tu veux faire un PMU, t'as soit 6-9 en simple placé. Je te parle pas du course du Quintet, je te parle des autres courses. Parce qu'il y a, il y a 45 courses sur l'application de PMU. Tu as trois thématiques de paris aujourd'hui. La thématique du 6 ou 9, la thématique du 3, 4 ou 5 en simple placé, ou la thématique des cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. En simple placé. Il ne faut pas que tu en aies 50 non plus, il faut que tu fasses le tri. Ou tu t'attends vraiment le dernier moment au départ et les cotes vont bouger, il va t'en rester peu des cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Au départ, tu en as 4 ou 5 et puis ça bouge un peu. Là, il reste 9 minutes de départ à R4C3. Ça va bouger, tu vas voir. Donc, essaye de viser les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Sinon, une autre thématique, c'est jouer le 6 ou 9 en simple placé. Sinon, une autre encore thématique, c'est jouer 3, 4, 5 en simple placé. Le 3, le 4 ou le 5, ou alors deux de ces numéros, le 3, 4 ou 4, 5 ou 3, 5. Il faut choisir. En simple placé, hein. Je te donne le type de pari à faire. Je te donne les trois thématiques aujourd'hui. Mais c'est un roulement, les gars. Vous allez retrouver ça quatre fois dans le mois, hein, ces thématiques-là, pour les jours. Normalement, la semaine prochaine, on devrait retrouver. Dans deux semaines aussi. C'est semaine par semaine. Ça se ressemble un peu, les arrivées, hein, les gars. Et puis, en octobre, ça va ressembler en octobre de l'année dernière. Deux il y a 3 ans, deux il y a 4 ans. Voilà, c'est tout le temps pareil, les gars. Mais tu vois qu'il faut viser juste, hein, parce que tu as un cheval en trop ou un truc comme ça, ça va te niquer ton pari. Faut faire attention. Allez, j'arrête, les gars, j'arrête. On se verra peut-être demain, les gars. Voilà, c'est le week-end. Je sais pas si je vais poster le week-end, parce qu'il n'y a jamais personne le week-end. Jamais personne ne regarde les vidéos le week-end. Donc, je sais pas. Peut-être demain, ouais, demain on est vendredi, c'est ça.
pas une forme. Ouais, c'est ça, demain on est vendredi. Donc je devrais passer demain, je vais pas au sport demain, je vais peut-être aller courir dehors. J'aimerais bien me remettre à courir. J'ai pris un peu de poids, c'est dommage. J'étais descendu à 95 kg, je suis monté à 111. Je suis parti de 130 kg, je descends à 95, je remonte à 111. C'est confinement, putain de merde. Je vais courir tout, je vais toujours courir tout, j'adore ça. Allez l'équipe, bisous bisous, à plus tard, merci. Merci Brahim, merci tout le monde, merci les amis, je quitte, merci les gars, bisous.